D'abord, les titres de ce journal. Soutien psychomédical et indemnisation. Le HRUN a entamé ce mardi la phase des réparations pour les victimes des violences au Togo jusqu'au 29 décembre prochain. Un premier groupe de personnes dites vulnérables entrera dans ses droits. Pour le climat, le One Planet Summit a rassemblé à Paris aujourd'hui une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des entreprises et organisations internationales autour d'une question clé, le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Deux ans après la COP21, la France insiste sur le financement vert. Et puis, dans 20 mois, le stade de Kégué présentera un nouveau visage. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce mardi. Bonsoir et merci de suivre ce journal de 20h. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, comme annoncé à son agenda, a démarré aujourd'hui la phase d'indemnisation des victimes des violences politiques au Togo. C'est une première phase qui concernera un peu plus de 2400 personnes qui auront une prise en charge médico-psychologique et aussi une enveloppe symbolique. Le premier groupe à passer devant le HRUN aujourd'hui est constitué de victimes venues des régions de la Savane, de la Kara et de la Centrale. On voit cela avec Pierre Soussoukbo. Quelques instants de recueillement, comme pour tenir Dieu, à témoin de la sérénité et de la solennité du moment, celui du démarrage effectif du programme de réparation du HRUN. Dans ce groupe d'hommes et de femmes, on retrouve des personnes ayant subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Certaines d'entre elles portent une souffrance morale, d'autres encore gravement atteintes dans leurs droits fondamentaux. Cette dame, par exemple, arrive de la région de la Kara. Elle vient toucher à son indemnité. Elle réitère, comme beaucoup d'autres, son pardon à ses bourreaux. D'abord, même on n'a jamais cru qu'un jour on va nous appeler pour qu'on fasse même la déposition. Personne n'a pensé qu'un jour quelqu'un va se rappeler qu'on nous avait fait quelque chose. Déjà pour le fait qu'on me demande de venir dire ce qui me fait mal, c'est déjà un apaisement. Donc vraiment, je remercie beaucoup le chef de l'État pour l'initiative qu'il a prise. Et nous sommes aussi, nous lui serons reconnaissants et nous allons pardonner. Moi, je les ai déjà pardonnés même depuis le début. J'ai pardonné à mes ennemis. Mais seulement que l'ASCRON, à cet instant, c'est VGR, que l'ASCRON prenne des dispositions pour que je retrouve ma maison en quiétude. Ce n'est pas de problème, il n'y a rien dans mon cœur encore. Pour cette première vague retenue pour l'opération, les victimes viennent des régions des Savanes, Kara et Centrale, qui constituent le premier pôle défini par le HRUN. Chaque victime se fait enregistrer une fois admise dans cette salle, passe par l'huissier vérificateur, les médecins psychologues, des entretiens individuels ou collectifs avant de toucher son chèque. Des équipes constituées sont à l'écoute des victimes. Moi, je suis là pour l'ophtalmologie. Et pour cette première journée, il s'agit des victimes des régions de la Savane et de la Kara. Et moi, je n'ai que deux, mais ils sont au total 21 personnes à passer essentiellement en chirurgie, en ophtalmologie et en psychologie, bien sûr. Pour cette première séance, tout se déroule comme prévu. Pensons que le processus a bien déjà commencé, puisque vous avez entendu une victime qui dit « Pour avoir fait tout ce qui a été fait, nous remercions le gouvernement d'avoir tout mis en œuvre pour qu'on soit à cette étape. Et pour être déjà à cette étape, moi, je suis satisfait et j'ai déjà pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Ça, c'est, je crois que qu'une victime le dise, c'est très encourageant pour le HRUN. Tous ceux qui vont commencer par aller chez les médecins, vous les avez vus les médecins au cours de la réunion,
les médecins, les psychologues, etc., vont les examiner. Et à l'issue des examens, comme nous l'avons dit, chaque victime recevra son indemnité conformément au quantum qui était fixé par la CVGR en son temps. C'est donc un nouveau pas de franchi vers un Togo apaisé et réconcilié. L'opération a débuté ce mardi et se poursuivra par pôle jusqu'au 29 décembre selon le calendrier établi par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Et sur ce plateau, pour avoir plus de précisions quant à cette opération, M. Wiyao Evalou. Bonsoir, M. Wiyao Evalou. Vous êtes le premier rapporteur du HCROM. Il faut préciser que l'on est dans la première phase, en fait, de la première étape de l'indemnisation des victimes des violences politiques de 1958 à 2005 au Togo. Oui, effectivement, nous sommes à la première étape de la première phase, puisque l'enveloppe qui a été offerte par le gouvernement, notamment 2 millions et 2 milliards, de francs CFA, nous permettra de couvrir 2475 victimes. Et pour le moment, donc, nous avons commencé par les victimes vulnérables, comme nous l'avons d'ailleurs plusieurs fois souligné, parce que les victimes vulnérables, comme vous le savez, c'est celles-là qui souffrent beaucoup, qui ont des séquelles psychologiques, des séquelles physiques par rapport donc aux préjudices qu'elles ont subi. Donc, on commence effectivement par cette première victime. Et cela va nous prendre 3 semaines. Donc, jusqu'au 29 décembre, ce sera au total 137 victimes. Ce sera au total 137 victimes qu'on pourra couvrir, qui seront prises en charge aussi bien par le plateau médical, c'est-à-dire les spécialistes de M-Afrique, les chirurgiens, les ophtalmologues, etc. Et maintenant, après, chaque victime prendra naturellement son indemnisation conformément à ce qui a été fixé par la Commission de vérité, justice et réconciliation. Et vous voudriez bien nous préciser les critères de fixation de cette indemnisation-là? Oui, effectivement, vous savez que les victimes n'ont pas subi les mêmes torts. Il y a certaines victimes dont les préjudices ont été qualifiés de graves par la CVGR. D'autres préjudices ont été qualifiés de moyens et d'autres préjudices un préjudice bas ou un petit préjudice. Mais il n'empêche que, conformément au niveau de préjudice ou de tort qui ont été causés à la victime, et la CVGR, avec des calculs qui ont eu à se fonder sur les critères internationaux et en matière de justice transitionnelle, ils ont fixé donc le montant des indemnisations par victime. Donc, soit si vous êtes une victime qui avait subi des préjudices très 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 élevés, graves, alors on vous fixe aussi un montant. Si c'est un préjudice qui est moyen, cela aussi correspond à un montant, etc. Voilà, ça n'a pas été fixé de façon arbitraire. Au préjudice subi. Et donc pour cette première étape-là qui concerne les 137 victimes, elles sont venues de tout le Togo, c'est cela ou c'est seulement certaines régions qui sont venues? Non, pour les 137, elles sont venues de tout le Togo. Et nous avons commencé cette première étape par les victimes venant de la région des Savanes, de la région de la Kara et de la région centrale. Voilà. Donc après maintenant, à partir de la semaine prochaine, plus précisément à partir de 19 ou 23, et ce seront les victimes de la région des plateaux qui seront concernées. Et à partir du 26 donc jusqu'au 29, nous aurons, pensons s'il plaît à Dieu, beaucoup
boucler cette phase avec les victimes vulnérables, en tout cas ceux qui sont justement recensés. Et donc là, avec les victimes de la région maritime. Et donc après cela, quelle sera la suite? La suite, nous avons, je vous ai dit en introduction, que avec l'enveloppe qui a été offerte par le gouvernement, nous serons en mesure de couvrir au total 2475 victimes. Ce qui veut dire qu'après les victimes vulnérables, nous allons entamer d'autres phases avec les victimes que je peux me permettre de qualifier d'ordinaire. Est-ce qu'on a déjà un planning, un agenda pour cette phase-là? Oui, cette phase, puisqu'il suffit seulement de prendre une calculette, vous faites de 2475 moins... On n'a pas le nombre, hein? Voilà. Quel agenda, à quel horizon, à partir de quelle date? Est-ce que ça... Non, l'agenda est déjà disponible. Okay. Il suffit que cette phase-là finisse, parce que c'est eux qui ont besoin de qu'on leur accorde beaucoup de temps. Parce que les psychologues doivent les consulter, tous les médecins doivent les consulter, s'assurer que leur état de santé c'est bien, qu'elle ne s'est pas dégradée, ou au cas où leur santé s'est dégradée, qu'on sache est-ce qu'il faut des analyses complémentaires, etc. Lorsqu'on aura vraiment fini avec ceux-là qui sont considérés, donc qui sont des victimes vulnérables, qui vivent dans des situations alarmantes, voilà, qui ont des santé fragiles, alors là, on pourra entamer l'autre phase et je crois que l'argent étant disponible, nous n'avons aucune raison encore de traîner. Voilà. Donc on va liquider tout le reste. Mais pour à entendre quand même le discours du H-Croon, ce n'est pas tant l'argent, mais c'est une certaine disposition d'esprit, pardonner pour qu'on puisse évoluer ensemble. Oui, dans ce effectivement, c'est ce que nous avons eu à dire aux victimes. Il faudrait, et d'ailleurs la population aussi, à toute la population, il faudrait que à partir de cette activité, les victimes sentent que c'est la nation togolaise tout entière qui est avec elles. Et donc, qui compatit à leur douleur, c'est vrai, les enveloppes, c'est juste pour leur permettre, n'est-ce pas, de soulager leur peine. Mais ça ne règle, ce n'est pas que ça va régler tous les problèmes. C'est quand même une reconnaissance. C'est fortement symbolique. Voilà, c'est symbolique. C'est aussi une reconnaissance de leur statut de victime par l'État togolais et donc par la nation togolaise. Voilà le sens de ce qui leur est donné. Pas que tout va être réglé par cela, mais c'est quand même un geste de compassion à l'égard de toutes ces victimes, de toutes ces sœurs et ces frères qui ont souffert dans leur chair et dans leur corps à un moment donné de notre histoire commune. C'est cela. Et cette phase que nous attendions depuis, est-ce que pour finir, le H-Croon a un message à laisser à tous les Togolais? Si nous avons un message à dire, c'est que tout ce que nous entreprenons au niveau du H-Croon, que l'ensemble des Togolais nous accompagnent. Les acteurs que nous voyons nous puissent nous accompagner parce que si les victimes savent que toute la population est derrière le Haut Commissariat et soutient son action, les victimes sauront effectivement que le H-Croon n'est pas seul et que la population aussi est derrière le Haut Commissariat, adhère à ces actions afin que leur peine soit soulagée. Les victimes veulent se sentir aussi, veulent savoir que nous compatissons à leur douleur. Voilà justement le problème. Et donc, il faudrait que par notre soutien, le soutien que les uns et les autres vont apporter au commissariat, que les populations perçoivent donc, cette dynamique de compassion à travers nos gestes et nos faits. Nous vous remercions, M. Wiyao Evalou, premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale en ce premier jour du démarrage de la phase de réparation donc, des victimes, réparation faite aux victimes des violences politiques au Togo. La protection et la promotion des droits humains contribuent au développement national. Une conviction du gouvernement réaffirmée à Dapaon pour la célébration du 10 décembre. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme y a ouvert une rencontre d'échange et de sensibilisation des populations. L'essentiel des discussions avec Désiré Aloy.
La question des droits de l'homme est une préoccupation des gouvernements à travers le monde. Le Togo, chaque jour, travaille à les renforcer sur son territoire. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme sur le terrain de sensibilisation dans les savanes, préfet, chef traditionnel, force de l'ordre, journaliste et organisation de la société civile s'imprègne de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits économiques et culturels. Leur contribution au développement national. Le rôle de la société civile, le rôle des collectivités, c'est de prioriser les droits économiques, sociaux et culturels dans les planifications de développement local pour que les gens puissent, au niveau de la proximité, accéder à de bons logements, à une bonne éducation, à de la bonne nourriture, à de bonne alimentation, à de bons soins de santé, etc. Pour le Togo, il faut promouvoir l'avènement d'une société pacifique et ouverte à tous pour un développement durable avec la mise en place d'une infrastructure de paix. Le choix de ce thème est motivé par l'engagement du gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État à faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030 à travers la réalisation des objectifs durables de développement ODD. À cet égard, l'éducation, la sensibilisation et l'information des citoyens aux droits, aussi bien civils et politiques qu'économiques et socioculturels, nous semblent être un impératif cardinal. Je vous invite donc, au cours de cette conférence, à des échanges fructueux afin d'en tirer le meilleur profit et de servir de relais de sensibilisation. Il y a 69 ans, les actions se multiplient partout, tout comme au Togo, où le gouvernement fait des droits de l'homme sur son territoire un pilier central du développement dans son ensemble. Et le nouveau code pénal du Togo, entré en vigueur il y a 2 ans, est disponible désormais en dur à compter de ce jour. Donc, il vous souvient, la loi pénale datant de 1980 a été révisée et actualisée afin de corriger ses faiblesses et carences. Avec l'appui financier de l'Union européenne, le document est aujourd'hui édité et remis pour une meilleure justice. Antoinette Romain-Vovo pour le compte-rendu de la cérémonie qui a connu la présence du ministre de la Justice et de l'ambassadeur de l'Union européenne. La justice togolaise dans une dynamique d'amélioration de son arsenal pénal. Son application, 33 ans après, a révélé des faiblesses et carences. Il y a donc nécessité de l'actualiser pour l'adapter à l'évolution du monde menacé par les infractions de toutes sortes. Désormais, le Togo dispose d'un nouveau code pénal édité grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Nous considérons que c'était un choix du Togo de faire la réforme du secteur justice. Et nous, en accord avec nos principes, notamment de respect de la démocratie, de droits de l'homme, nous avons considéré que c'était un très bon choix et nous avons alors voulu les accompagner. Ce nouveau code est un instrument juridique qui balise la voie à la consolidation d'un état de droit et à la modernisation du secteur de la justice au Togo. Le code pénal, c'est un instrument utile pour le travail du magistrat parce que qui embrasse plusieurs volets. Il y a le volet civil, le volet commercial, le volet administratif et surtout le volet pénal. Et le code pénal, c'est la Bible du magistrat quand il agit au pénal. Donc c'est un instrument indispensable pour le magistrat, surtout le ministère public et le magistrat du siège, pour faire les qualifications, pour faire les incriminations, c'est le code pénal. 2000 exemplaires de ce nouveau code pénal sont ainsi édités, dont 1000 destinés aux acteurs judiciaires et 1000 à la police judiciaire. Modernisation de l'administration publique au Togo, la gestion des ressources humaines est au centre de nouvelles discussions ouvertes ce jour à Lomé. Quel plan national pour développer les compétences des agents de l'administration? Un document a été réalisé et concentre
connaître les réflexions, comme on va le voir, dans ce sujet de Emmanuel Kalgora et Gérard Lagouzou. L'administration publique togolaise compte environ 55 000 employés. Elle vit un déficit lié à plusieurs facteurs tels que l'insuffisance des effectifs, la faiblesse des compétences, le vieillissement des agents et l'inadéquation entre le profil du personnel et les emplois qu'il occupe. Cette rencontre qui regroupe une centaine de participants, notamment des directeurs de cabinet, des secrétaires généraux des différents ministères et institutions de la République, ainsi que des responsables de la gestion des ressources humaines, vise à valider le plan national du développement des compétences. Les grands constats qui ressortent de ces derniers cycles-là est que c'est une administration à régénérer. C'est-à-dire qu'il faut de nouvelles compétences. L'étude ne porte pas seulement sur les effectifs, mais c'est de voir comment les différentes dotations sont réparties dans les départements ministériels, sur le territoire, et quel est aussi le taux d'encadrement. Il faudrait désormais un cadre de référence qui permet de voir si par rapport aux objectifs du gouvernement à travers le PND, à travers la vision 2030, l'objectif de développement durable, est-ce que par rapport à ces objectifs-là, les compétences requises pour les atteindre, est-ce que ça a été bien identifié, formalisé? Les présents travaux rentrent dans le contexte des réformes de l'administration publique engagées par le gouvernement pour renforcer les capacités de l'administration et redynamiser l'appareil administratif de l'État. Il compte ouvrir la voie à une administration solide, innovante et performante, animée par des hommes et des femmes de qualité pour atteindre le développement durable du Togo. Et la Chine soutient la mise en place de mécanismes d'assurance qualité dans le système d'enseignement supérieur au Togo. C'est à travers le projet UNESCO Fonds en dépôt du Shenzhen. Le projet a été lancé le 21 novembre dernier à Lomé. Et aujourd'hui, trois semaines plus tard, les différents acteurs impliqués se sont réunis pour mieux s'informer et appréhender ses contours. Sonia Amenico a fait un tour à la rencontre. Voici son reportage. L'enseignement supérieur en Afrique francophone, en particulier au Togo, doit élargir l'accès à des formations pertinentes et de qualité. Le projet UNESCO Shenzhen sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et de renforcement des capacités apporte une solution. C'est un projet qui vise à harmoniser les programmes d'enseignement supérieur dans les établissements publics et privés, ainsi que les certifications et l'équivalence des diplômes. À cette rencontre, les acteurs impliqués réfléchissent sur le projet afin de mieux cerner les contours. L'objectif est de faire connaître l'assurance qualité, de faire découvrir l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Ensuite, deuxième activité, une large campagne médiatique autour de l'assurance qualité. La troisième activité maintenant, c'est la mise en place des opérateurs d'assurance qualité, l'élaboration des documents et des tests. Jusqu'à récemment, on avait pensé que c'était seulement l'affaire des universités d'État. Donc il est grand temps que l'on explique la chose, que la qualité c'est pour nous tous, c'est pour tout le monde. Il faut que les formations données aussi bien dans les universités privées que dans les universités publiques portent la marque de la qualité. 10 pays de l'Afrique francophone, dont le Togo, sont éligibles à ce projet. Le choix du Togo témoigne de la volonté manifeste des autorités de rendre le système de l'enseignement supérieur plus novateur, plus attractif et plus efficient. L'émergence, c'est la formation à un niveau adéquat de ce qui doit travailler précisément à l'avènement de cette émergence-là. Et ce qui fait que le Togo participe, c'est tout simplement le lobbying des pouvoirs publics, des autorités. C'est ça qui a fait que nous avons été éligibles. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits en interne. Il est donc clair que l'assurance qualité est une réalité. Tous les acteurs de l'enseignement supérieur doivent la maîtriser. Le projet s'étend sur une période de 3 ans.
Un enseignement de qualité est aussi celui qui se met en adéquation avec les défis de l'heure. L'enseignement technique et la formation professionnelle l'a bien compris. Le secteur travaille à se définir des visions et aussi des axes stratégiques afin de contribuer pleinement à la croissance économique et sociale du Togo. Une rencontre s'est justement tenue hier sur le sujet. Ramdan Bassina nous en parle. La stratégie de développement du secteur de l'éducation pour la période 2010-2020 prend en compte les nouveaux défis et fixe aussi de nouvelles orientations en matière de développement économique et social. Pour y parvenir, il faut mobiliser aussi bien des savoirs que des savoir-faire, mettre des dispositifs adaptés de formation afin que l'adéquation entre formation et demande d'emploi soit effective. Et de cet atelier, ensemble avec tous les acteurs ici présents, nous avons défini d'abord la vision de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo. Ensuite, les missions de notre système. Et après, nous allons ensemble travailler pour dégager les axes stratégiques qui vont conduire toutes les actions de formation durant les 5 années à venir. Le gouvernement togolais voit en la formation professionnelle des jeunes un levier essentiel dans sa stratégie de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. C'est pourquoi ce département a reçu l'appui de l'UNESCO pour passer en revue toutes ses politiques. Cette activité s'inscrit également dans la mise en œuvre de l'agenda éducation 2030 adopté à Incheon en mai 2015 et également la mise en œuvre de l'ODD 4 qui fait partie donc des 17 objectifs du développement durable adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. De ces assises sortira un document qui sera en adéquation avec le plan national de développement PND, une démarche essentielle à la croissance économique du Togo. La Cour des comptes renforce ses compétences afin de mieux contrôler la gestion des finances publiques. Une trentaine de magistrats de l'institution se forment depuis hier sur les nouvelles directives du cadre harmonisé de l'UEMOA. Augustin Cossi était à l'ouverture des travaux. Voici son reportage. L'efficacité dans la gestion des finances publiques interpelle aussi bien les acteurs impliqués que ceux qui sont chargés du contrôle de cette gestion. Ici à Kalimé, magistrats et assistants de vérification de la Cour des comptes s'informent sur les nouvelles directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. Il s'agit pour eux de prendre connaissance notamment des principales innovations spécifiques à l'exercice de leur mission. Les missions de la Cour vont aujourd'hui au-delà de sa mission classique de jugement des comptes, de contrôle des comptes et contrôler, évaluer les politiques publiques et les performances dans la gestion des finances publiques. Étant donné qu'aujourd'hui, notre pays s'est engagé dans l'élaboration des billets programmes qui vont être mis en œuvre, à ces billets programmes sont rattachés des programmes annuels de performance qui vont être évalués à partir des rapports annuels de performance. Et la Cour des comptes qui contrôle les structures qui gèrent les finances publiques doit pouvoir être bien outillée pour ce faire. La Cour des comptes doit donc maîtriser non seulement les processus d'élaboration des budgets programmes, mais aussi ses outils de mesure. Cette formation leur permet de passer au peigne fin les différentes innovations à la lumière des anciennes normes afin de se doter des éléments nécessaires à l'examen des documents budgétaires. Aujourd'hui, nous allons d'abord voir quelle est l'architecture du cadre harmonisé des finances publiques, c'est-à-dire les différents textes qui ont été adoptés en 2009 et qui ont fait l'objet de transposition par le Togo. Après ça, nous allons voir quelles sont les innovations
la Cour des comptes doit donner son avis sur le dispositif de contrôle interne et de contrôle de gestion. La Cour des comptes doit donner son avis sur le rapport annuel de performance. Donc, il y a un certain nombre de dispositions. C'est un nouveau pas vers la modernisation et l'assainissement des finances publiques avec des pratiques qui répondent aux normes internationales. L'actualité de ce jour à l'international sera marquée par cette conférence sur le climat. Paris redevient le temps d'un sommet, la capitale de la lutte climatique, 2 ans après la COP qu'elle a organisée. Le One Planet Summit, proposé par la France suite au retrait américain de l'accord de 2015, co-organisé avec les Nations Unies et la Banque mondiale, s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale française autour du sujet clé du financement. Les acteurs économiques et financiers à ce sommet ont annoncé 12 mesures pour le climat, pour certaines inédites et pour d'autres déjà mises en œuvre. Mais bien que le sommet ne soit pas une conférence de donateurs, des engagements financiers ont été pris. Ainsi, les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars plutôt par an d'ici à 2020 leur financement pour le climat aux pays du Sud. Et une première pour la Banque mondiale, elle fait savoir qu'elle ne financera plus les industries gazières et pétrolières après 2019. Un fait comme on en entend quelquefois parler et qui laisse dubitatif, ça se passe dans la préfecture de Zir. Un jeune de 35 ans a tenté de livrer un bébé de 2 mois à un féticheur en vue d'un sacrifice pour produire de l'argent. C'est plutôt la gendarmerie qui l'aura rencontré sur son chemin. Le parricide a été présenté à la presse hier. Regardez avec Emmanuel Calgora et Ferdinand Diassoa. Le sieur Agbele Sissi Apollinaire, 35 ans, de nationalité béninoise, menuisier de formation et résident à Lomé, dans le quartier d'Adidogomé, a été interpellé par la gendarmerie de Thiévier alors qu'il cherchait à livrer un bébé de 2 mois à un féticheur basé à Blainvillier aux fins d'obtenir de l'argent. Je voulais donner mon enfant pour avoir de l'argent. Avant, nous, on avait décidé de donner l'enfant à quelqu'un pour retirer l'argent. Il a dit qu'il va faire cérémonie, mais la cérémonie ne fait pas chez lui. C'est ce fait au Ghana. Le bébé de 2 mois a pour mère une jeune femme togolaise nommée Zenabou et qui vivait en concubinage avec ce criminel. Le mercredi 6 décembre 2017, la brigade territoriale de gendarmerie de Thiévier a interpellé le nommé Agbele Sissi Apollinaire. Il est âgé de 35 ans, il est de nationalité béninoise, il est menuisier, il réside à Lomé. Il était en possession d'un bébé âgé de 2 mois. Selon les faits, il s'était rendu à Agblainvier, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Thiévier, le dimanche 3 décembre, auprès d'un féticheur. Il est allé solliciter les services de ce dernier afin de se faire de l'argent. Au cours de leur discussion, il a fait savoir au charlatan qu'il avait un bébé de 2 mois qu'il comptait sacrifier à cette fin. Ils se sont donc donné rendez-vous pour la semaine suivante. Comme prévu, le mercredi très tôt le matin, il quitte Lomé avec le nouveau-né à destination de Blainvier. C'est arrivé au domicile du féticheur que la brigade territoriale de gendarmerie de Thiévier a été alertée. Interrogé, il a reconnu les faits. Il déclare qu'il s'agit en fait de l'enfant de sa concubine avec qui il vit à Lomé. Cette dernière aurait contracté la grossesse d'un autre homme. Mais puisqu'il ne voulait pas la chasser, il avait prémédité son acte, c'est-à-dire utiliser le bébé à d'autres fins. Il a gardé la fille jusqu'à l'accouchement. À peine 2 mois, la fille accouche. Il trompe la fille pour lui dire qu'il amène le bébé à Thiévier pour le faire adopter par une de ses connaissances. Alors qu'en réalité, c'est pour amener l'enfant le tuer et se faire de l'argent.
M. Agbelesesi sera déféré au tribunal pour la suite de la procédure. La gendarmerie nationale remercie la population de Blainvier et invite toute la population togolaise à coopérer davantage avec les agents de poursuite pour mettre fin à ces crimes crapuleux. Le préfet du Zion, Etienne Kodjo Kadevi, tout en félicitant les forces de l'ordre et de sécurité pour leur professionnalisme, a appelé les parents des enfants à plus de vigilance dans leur encadrement. Il a par ailleurs exhorté toute la population de son ressort territorial à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de détecter et de signaler tout acte suspect ou mal intentionné en cette période de fin d'année. Et une note plus gaie, plus humaine pour poursuivre ce journal. C'est parti pour les travaux de réhabilitation du stade de Kégué. Dans 20 mois, la China Geoengineering Corporation va livrer au Togo un stade rénové et répondant aux standards internationaux. Ces travaux ont été lancés ce matin en présence du ministre Guy Maggi Lorenzo en charge des sports et devant les caméras de la télévision togolaise. Claude Ama, reportage. Voilà ce à quoi va ressembler le stade de Kégué dans 20 mois. 17 ans après son inauguration le 12 janvier 2000, le temple du football togolais va connaître un nouveau visage. Les travaux de réhabilitation sont confiés à la société chinoise China Geoengineering Corporation. Ces travaux porteront sur la maintenance de la structure, la décoration intérieure des bâtiments, la rénovation du système électromécanique, les installations sportives, la réhabilitation des routes extérieures, ainsi que l'amélioration des fonctions d'origine du stade. Coût de l'opération, 116 millions de yuan, soit environ 10 milliards de francs CFA. En tant que partenaire fidèle du Togo, la Chine continuera d'accompagner et de soutenir son émergence, conformément aux principes de respect mutuel et de développement partagé. Dans la mise en œuvre des projets de coopération annoncés par le président Xi Jinping lors du dernier sommet Forum de coopération Chine-Afrique et des fruits de la visite d'État de son Excellence Monsieur le Président togolais Monsieur Faure Gnassingbé en Chine l'année dernière. Nous sommes disposés à faire des efforts conjoints avec le Togo pour accomplir les 10 programmes de coopération Chine-Afrique et l'initiative La ceinture et la route, renforçant une meilleure coopération dans l'industrialisation, la modernisation agricole, l'infrastructure, la création des emplois et les échanges culturels. Le projet de réhabilitation est salué ici par l'ancien ministre des Sports, Horacio Freitas, témoin de l'inauguration du stade de Kégué le 12 janvier 2000. Moi, je souhaite que ce soit une réussite afin qu'on puisse organiser des rencontres d'athlétisme entre le Ghana, le Bénin, le Togo, le Burkina, qu'on ait des installations sportives dignes de son nom, modernes. Pendant la durée des travaux, le stade de Kégué sera donc fermé à toute activité sportive. 20 mois de sacrifice avec au bout des installations répondant aux nouvelles dispositions internationales. Si les choses se passent selon l'agenda qui est prévu, Kégué devrait être le ou l'un des stades, des complexes sportifs les plus modernes d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est très bon pour nos athlètes. C'est très bon pour nos équipes de football, notamment l'équipe première, les Éperviers, car ils vont pouvoir s'entraîner et compétir dans des infrastructures qui sont celles qu'ils vont rencontrer quand ils vont à l'extérieur défendre les couleurs de notre drapeau. Le président a donné des instructions pour que d'autres infrastructures qui ne seront pas à ce niveau soient mises en place. Après la pose de la première pierre de l'auditorium de la télévision togolaise et de Radio Lomé, la Chine et le Togo viennent encore de poser
poser un axe supplémentaire dans le renforcement de leurs relations de coopération vieille de 45 ans. Et c'était au Vazou le week-end dernier à Kounyou, dans la préfecture d'Akébou. La célébration de la récolte du Fonio cette année a mis un accent particulier sur la cohésion sociale. Ainsi, les Lamba producteurs de Fonio se sont joints aux Akébou pour la fête. Voyons cela avec Ekwe Sala. Invocation des mains des ancêtres pour que règne la paix sur toute l'étendue du territoire national. Ceci donne le ton à l'apothéose de la 38e édition de Vazou, la fête du Fonio, célébrée ici à Kounyou dans la préfecture d'Akébou. Au Vazou, cette richesse culturelle partagée par les peuples Akosso et Akébou est une occasion de retrouvailles, mais aussi une action de grâce aux ancêtres après les récoltes du Fonio. Cette édition 2017 est placée sous le signe de la cohésion sociale. Nous lançons un appel solennel à nos populations et à tout un chacun pour que cette culture, c'est-à-dire le Fonio, hein, cet élément-là, qui constitue le ferment même de notre unité à Akosso et à Akébou, que cette culture se perpétue. Ovazou est une fête commune à la préfecture d'Amou, de Wawa et d'Akébou, véritable symbole de brassage culturel. Elle doit être utilisée pour promouvoir le développement durable. C'est le signal fort donné à cette occasion par le ministre Aïdam, représentant le chef de l'État, Fort et Sozinania Singbe. Les défis auxquels est confronté le monde en général et en matière de développement durable doivent nous inciter à une réflexion dans le sens de la sauvegarde, de la promotion et de la valorisation de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Pour notre pays, il faut un développement qui prenne en compte les spécificités culturelles de toutes les communautés. C'est le lieu pour nous de vous inviter à la communion, au pardon et à la tolérance, quelles que soient vos divergences, afin d'œuvrer pour le développement de vos localités respectives. Des scènes ont été présentées pour faire comprendre au mieux les richesses culturelles propres au peuple Akosso et Akébou, dont la production du Fonio. Les Lamba produisent également du Fonio, raison pour laquelle, pour la cinquième fois consécutive, une délégation des Lamba s'est jointe à l'événement. Elle a marqué son passage par un don de produits pharmaceutiques. Le don est destiné au centre de santé d'Akébou. Et ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour finir, l'importation, la vente et l'usage de pétards assourdissants et autres objets du genre qui troublent la tranquillité des populations sont et demeurent rigoureusement interdits sur l'ensemble du territoire national, et notamment en ces périodes de fêtes de fin d'année. Des instructions spécifiques sont données aux forces de sécurité pour procéder à leur saisie, traquer et si besoin interpeller tout contrevenant. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur le civisme et la bonne compréhension de tous pour le respect de ses dispositions. Ainsi s'achève ce journal, dans quelques minutes, le journal de l'économie avec Mathias Touglo, et à 21h, l'heure de la santé. Ce soir, Carole Péto avec son invité Fofo Kosikabo, ingénieur biologiste, nous parle du bilan de santé. Quelle importance! Merci de rester avec nous pour la suite de nos programmes et pour passer une très belle soirée. À très bientôt.